Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Amen. Vous pouvez poser une question là. Gardez mon qui peut vous dire pourquoi raisonnez-vous en vous-même. Merci Seigneur. Eh oui. Merci Seigneur. Qu'a béni bon Dieu pour paroli et pour ça Dieu qui fait pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Bien. Matthieu chapitre 16. Verset 1 à 12. La sœur Susanna fait lecture pour nous, s'il vous plaît. 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ?» Verset 10. Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Prions. Mettez-nous debout pour la prière. Merci Seigneur. Père, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée de prêcher ta parole. Merci pour les souffles de vie. Merci, Papa, pour chaque monde qui a tant qui a écouté bon matin. Seigneur, nous ici, et moi pas ni rien pour dire, mais c'est vous seul, Père, qui a parlé by chair chacun de nous. Seigneur, moi pas savoir qui ça qui en dit dans Ishou. Moi pas savoir ça nous pièce ni. En l'esprit nous, en corps nous, ça qui a passé en ce moment en chez nous, mais où connaître chacun, ça qui attend, ça qui prison, ça qui a coûté nous, Seigneur, qui par radio, qui par site internet là, Seigneur, qui, quelle que soit manière, et bien ça qui assis ici, Père, parlez by chez un monde qui attend et qui brise en réponse. Je demande au Seigneur quitter le Saint-Esprit pour plein contrôle en ce moment même. Quitter la chair crucifiée et quitter la chair paix et quitter le Saint-Esprit agir. Et parler by chair, nous, papa. Nous venons ici, Seigneur, et nous brisons. Et nous brisons parole de Dieu.
parlez by chair nous père en nom Jésus-Christ de Nazareth nous prier et pour gloire. Amen. Alléluia. Why are you reasoning among yourself? Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Oui. Nous connaissons l'histoire, mais Jésus-Christ, ça Jésus-Christ fait. Jésus parle nous de cette monde, les pharisiens et les sadducéens. Ils étaient venus pour faire un seul bagage. Amen. Pour tenter Jésus. Et qu'à chercher un signe. Vous savez, de là, l'on a cherché un bagage. Mais moi, il m'a dit que ce n'est pas tout ça monde qui a cherché. Ce n'est pas tout le monde qui a cherché bon Dieu. Qui a cherché pour une bonne raison. Et ce n'est pas tout le monde qui questionnait ou concernait bon Dieu, qui a cherché bon Dieu. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas tout le monde qui posait en question concernait bon Dieu. C'est vraiment il voulait connaître dit bon Dieu. Là, nous, il était caché, posé en question. Mais pour il était tenté Jésus. Mais yo paté vle connaître de Jésus. Mais en fait tout ça là tenait pour passer parce que bon Dieu te vle parler ba nous. Si paté passer comment on peut ça de kay vraiment écrit et nous de kay vraiment ça libre bon matin. De tout ça, bon Dieu, qu'a fait, c'est pour une raison. Les sadducéens, les pharisiens, pourtant, pour venir vers Jésus, juste pour faire quoi? Tenter. Mais, en fait, bon matin, dans toute l'histoire là, moi, je voulais pointer ça nous de quelque chose qui est important. Moi, je voulais pointer ça nous concernant verset 8. Je ne vais pas y aller en tout. Nous avons une chère lecture, mais je vais aller en plus verset. Verset 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Après Jésus parler tout ça, Jésus fait ça, vous êtes caché à son signe, mais vous n'avez pas caché une pièce calte signe. Signe de Jonas. Signe de Jonas, c'était quoi? 3 jours, 3 nuits en vente poisson. Ça a symbolisé qui ça? La mort de Jésus-Christ. 3 jours, Jésus-Christ qui a fait dans la terre et après il a ressuscité. C'est mon dada, je ne comprends rien. Donc Jésus a dit, sinon, ça a joué, non? C'est un signe de résurrection. Mais ça a été trop pour vous. Toujours, il n'y a pas de comprendre. Amen. Mais, moi, je marque en verset 4 avant d'aller juste en verset 8 là. Jésus-Christ traite en génération adultère et méchant qui a cherché un signe. Dès lors, nous avons un chaque raisonnement en tête nous. Malgré nous savons que bon Dieu a parlé de nous, ça. Malgré nous savent de les nous poser bon Dieu question, il parlait ben nous. Amen. Mais de les nous voulons un signe quand même. Amen. Donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur.
sinon que bon Dieu t'ait utilisé en fouet on sait parler bao que il pas même connaître zafo ou pas assez. Moi pas savoir qui monde qui m'a demandé bon Dieu un signe mon matin mais ou pas joindre aucun signe. Donc bon matin dit je me suis trompé. Pardon Seigneur. Pas ni aucun signe pour. Là ni un monde que bon Dieu a dit bon matin pas ni signe pour. Et moi il m'a marqué lorsqu'on commence à faire la raisonner certains bails en tête tout. Il a commencé à mener à idolâtrie. Il parle de pas même idolâtrie, adultère spirituel. Ah. Vous ça? Jésus-Christ touche un point qui est important. Verset 4 là. Il touche un point qui est important là. Pas ça? Hein? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Laisse nous qu'à raisonner. Ça qu'a poussé nous à adorer et bien chercher des réponses qui pas qu'à venir de Dieu. Parce que trop tard, ça ouvre tannan, Satan qui fait autant ni. Et quand il vient et dit, Dieu m'a répondu. J'ai tellement prié. Satan voulait me crier, me dit non. J'ai prié, j'ai insisté, j'ai demandé des signes et Dieu m'a répondu oui. Et finalement, qui ça arrive? Ou puis, parce qu'on n'est pas satisfait avec la réponse que bon Dieu te bat. Oui. Amen. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Oui. Là, yon passé l'autre côté, hein? Jésus dit en question, gardez-vous de levain des pharisiens et sadducéens. C'est pour là que je dit, hein? Mais nous ne pas comprendre. Il semble nous pièces pas prendre, mais qui monde qui pas prendre? Vous pas prendre. Alors nous ou pas ça changer ou pas prendre, tu regardé mais comment ou pas te changer ou même te prendre aussi. Et ça, mais Jida, mais c'est où qui t'es ni et l'argent? On pas changé nous de faire un voyage pour tenir ton enfant. Ouais ça? Yo commence à raisonner en Dieu. Pourquoi yo pas prendre pain? Jésus t'es ni pour rappeler yo, mais ont pas changé. Hein? 8 poissons, 8 pains, combien moun que nous noui? Et 5 pains encore. Ça veut dire que Jésus fait deux fois miracle et pipin. On coupe 4000 noms, on coupe 7000 noms. Mais c'est mon abajin changer ça. Hein? Ça veut dire que si Jésus avec 6 pains de pain, hein, il paye nourrir autant de monde. Ce n'est pas 12 disciples. Jésus n'a pas de pain pour voir au pain. Bah, yo. Amen. Satan connaît la capacité de Jésus, il juste dit, fais roche tout n'est pain. Parce que Jésus était là 40 jours, 40 nuits, et que dit, Satan était là 40 ans. Satan était plus fin que Jésus. Et il dit, mais si je fais moi, si je fais roche tout n'est pain, je vais arrêter de gagouiller là, parce que moi, brisé, j'étais mis, mais moi, je fais tellement et mal est parti. Mais
Nous connaissons l'histoire. Qui ça Jésus dit, non pas qu'il ne vive pas, pain seulement, mais chaque. Maman, elle a qui ça, bon Dieu, j'ai dit nous. Les bon Dieu qui a parlé ben nous, qui ça nous a raisonné en tête nous. Bon, vous savez, en Matthieu chapitre 13, il a dit, content de parole, bon Dieu. Et ou pas comprendre Satan qui a venu et qui a enlevé grenin qui planté à qui parole là en dedans tu vous avez ça et c'est là raisonnement qui a parti parce que bien souvent la raisonnement qui a venu après d'avoir nous pas prendre au sérieux les paroles que nous attendons et les situations levées et ben nous avons commencé à faire des raisonnements en tête nous avons commencé à raisonner. Oui, nous allons commencer à poser beaucoup de questions. Et c'est pourquoi Jésus dit, pourquoi vous avez raisonné en vous-même. Jésus ayant connu, c'est bien ça, dit pourquoi raisonnez-vous en vous-même. Et il pas fini il dit Jean de paix des fois. Notez premier point. Reasoning is the result of lack of faith. Le raisonnement est le résultat d'une manque de foi. D'un manque de foi. Amen. Le raisonnement et le résultat d'un manque de foi. Lorsqu'on a raisonné, il a parlé Jésus qui a dit ça, mais il a qu'à raisonner à Dieu. Et même quand il a raisonné, mais Jésus, pourquoi vous avez raisonné? Vous n'avez pas changé tout ça, moi, à faire. Il y a celle qui a perdu de foi. Qu'est-ce que ça nous a fait? Nous pas ni pain. Ah, là, mes grands-mères maintenant brisent un pain, et que l'homme est fini, nous pas prend pain, etc. Mais est-ce que Jésus jamais dit, pour qui vous pas prend pain? Il dit, gardez-vous de la vie, c'est pharisien. Donc, la raisonnement, verset 8, nous est ça. Oui. La raisonnement. C'est qui ça? Résultat d'un manque. Arrêtez de raisonner comme ça. Parce que c'est ça qui a fait nous douter, bon Dieu. Nous avons raisonné. Où quoi? Mais comment? Mais est-ce que? Mais est-ce où quoi ça? Ça a commencé à pousser nous à chercher toutes sortes de qualités, réponses inutiles qui ne sont pas supposées pour. De Jésus n'a pas dit chercher une solution. Bye. Il te dit garder les autres de les vivre, c'est pharisiens. Deuxième point, c'est try to understand God rather than reasoning. Essayez de comprendre Dieu plutôt de raisonner. Yo pas chercher comprendre ça Christ qui a dit là, premier bagage yo commencer faire, yo commencer raisonner à Dieu. Ouais ça? Et bien ça arrive que nous-mêmes de au lieu nous comprendre chercher comprendre qui ça Dieu qui a fait en parmi nous, en tout groupe. Vous pouvez raisonner plutôt. Vous pouvez raisonner avec nous. Vous pouvez... Oula! Ça vrai, mais ça pas vrai. Mais oui! Et c'est là où comprendre qui ça Christ a fait. C'est là bagaille la belle. Verset 12. Gardez verset 12. Alléluia. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder,
mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus t'a dit, mais je ne vais pas connaître 12 pains, je ne vais pas connaître ça, moi je vais avec 12 pains, etc. Je ne vais pas tout ça, moi je vais faire. C'est là où je dis, ah, mais en fait, effectivement. Mais si Jésus n'a autant pour voir, mais ce n'est pas des pains, nous avons raison. Mais non, c'est des doctrines des pharisiens, Jésus. Ouais, ça arrive à nous, hein? De le bon Dieu qui a parlé de nous, mais nous avons fait tellement raisonnement l'essentiel, l'importance. Ça nous besoin vraiment, nous avons oublié, nous avons raté. Amen. Gardez fort, dit arrêtez de raisonner comme ça. Oui. Amen. Arrêtez de raisonner comme ça. Amen. Dieu mon be cool. Sois cool. Sois cool. Calmez-vous. Amen. Dieu mon pas charger ses velles ou trop, pas charger ses velles, pas baisser ses velles ou trop travail. Dieu mon wepo, 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 wepo. Alléluia. Parce que je me là, ou parler avec un monde, ou qu'à poser une simple question, mon n'a qu'à chercher tout ça pour dire est-ce que c'est pour un piège, est-ce que c'est pas un piège. On s'en bagaille. Amen. Il pas cherché ça. Alléluia. Troisième point. Understanding what he says will prevent all reasoning. Comprendre ce qu'il dit empêchera tout raisonnement. Comprendre ce qu'il dit empêchera tout raisonnement. Marc, chapitre 2, 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Marc 2, verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Oui. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Pourquoi avez-vous de telles pensées? Pensées de vos cœurs. Oui, il y a des continuez. Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, oui. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Aïe, 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 nous n'avons jamais vu. Ouais. C'est pour ça que je dis, il est important de comprendre qui ça, Christ. Kadi. Maman, ici, nous pas qu'à comprendre qui ça, bon Dieu, Kadi. Nous caillons toujours ni des raisonnements en tête, nous caillons toujours ni des pensants chez nous caillons toujours penser mal, nous caillons toujours raisonner mal. Parce que Jésus dit, tes péchés pardonnés. Il s'a pardonné péché, il a blasphémé. Nous toujours qu'à chercher côté faute là.
Ou pas tant ça. Mais dis-nous toujours qu'à chercher côté fort là yé. Côté lèwè yé. Qui moun ki ni fort, qui moun ki ni lèwè, côté problème là yé. Mais nous pas qu'à essayer comprendre qui ça bon Dieu qu'a dit. Et Jésus connaît tous les cœurs, il connaît les pensées, il connaît qui ça qui a passé en dedans nous, parce que avant nous parler, avant nous raisonner, Christ savent. Pourquoi ça qu'a raisonné en chez autres? Pourquoi ça mis telle pensée en chez autres? Pourquoi ça mis ces bails là? Ah ouais. Eh bien, c'est pourquoi nous noter. Amen. Amen. Comprendre ce qu'il dit empêche tout raisonnement. L'eau qui comprend ça, bon Dieu dit, ça qui empêche ni des raisonnements. Parce que bien souvent, nous avons des raisonnements et bon Dieu qui nous parle de nous. Il qui nous parle de l'église. Il qui nous parle de nous, bien aimés. Mais là, on bagaille fait. Nous toujours qu'à chercher côté, nous toujours qu'à chercher côté faute là, qui moun qui en faute. Mais nous pas qu'à chercher les œuvres, qui ça bon Dieu te dit. Et bien souvent, si nous vivons avec ces cahiers à nous, nous qu'à ouais, il était prêché ici. Hein? Bon Dieu, de qu'à mettre nous à garder certains bails. Hein? Il déjà parlé, hein? Nous qu'à écrit, hein? Nous qu'à pas noté. Mais là, il arrivait, nous qu'à dit des raisonnements. Aïe. Eh bien oui. De là, nous avons dit, nous tenons rêve. Bon Dieu te bat mon rêve. Bon Dieu te parle de moi. Mais les bails arrivés, nous pas changer pièce. On va aller vite. Quatrième nom. Reasoning generates conflict. La raisonnement engendre des conflits. Les conflits, pardon. Eh bien, le raisonnement, le raisonnement génère, c'est ça? Génère des conflits. Amen. Et de nous, oui, reasoning generates conflict. Lorsqu'on raisonne, nous on est qu'à raisonner. Vous savez, c'est là conflit qui a parti. Eh bien, il y a une naissance à conflit. Soit ou en conflit avec un autre monde, et bien, on va venir en conflit avec vous-même. Luc chapitre 22, verset 22 à 24. Alléluia. Luc 22 à 24. Oui. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Uh-huh. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ça, il... déclaration. Ça, c'est une simple déclaration. Ça, Jésus-Christ dit. Le Fils de l'homme, qu'a fait ça? S'en va selon ce qui est déterminé. Ça qui te déterre? Donc, vous avez déterminé, vous avez selon ce qui est écrit. Donc, si vous avez lu la parole de bon Dieu, vous savez que Jésus-Christ est venu pour mort. Parce que ce prophète n'a déjà parlé. Hein? Mais. Malheur à l'homme par qui il est livré. Il est livré. C'est clair. Est-ce que vous cherchez à comprendre ça, Christ dit là? Continuez. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Oui, ça? Moi, nous, yon toujours qu'à chercher qui coupable là. Yon seul coup. Mais qui n'est-ce pas parmi nous là qui fait travail? Mais qui est-ce? Continue.
Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Il t'a dit qui ça? Contestation. En contestation. Dans la Bible, King James, là, il dit, il a commencé à raisonner en parmi eux-mêmes. Ouais, ça bien? Il a commencé à raisonner en parmi eux-mêmes. Il y a une contestation. Amen. Et bien, qui est-ce qui passe? Lis. Je continue. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Bon, nous avons arrêté là. Oui, nous avons arrêté là. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est la parole de Dieu qui a dit nous? Eh bien, bien aimé, il a dit nous comme ça. Le raisonnement qui s'est fait en Jean doit le conflit. Il a été commencé un concept, raisonnement, et puis il finit par en contestation. Il y a qui ça? En conflit. Où est ça? Là, on a raisonné trop. Et bien, c'est même manière, lorsque nous raisonnons trop en tête, nous, si on ne pas jouer au monde pour mettre un conflit, et puis, ou qu'un conflit est cop-cop. Amen. Ben oui. Et bien souvent, où est des mouns qui toujours sont en conflit avec un autre monde, c'est parce que yon même en conflit est quoi yon même. Yon pas même comprendre quoi yon. Et c'est vrai, oui, c'est la vérité. Tu es en conflit avec toi-même. Pas de moi ou qu'a dit personne pas qu'a comprendre nous. Ou n'y a un problème. Pas même autant moun qui est la terre, personne pas comprendre nous. Donc on est en conflit. Mais si vraiment personne pas comprendre nous, est-ce qu'on va même comprendre quoi? Parce que si tu es comprendre quoi, tu es qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas normal que personne ne va comprendre. Donc, on a un conflit quand même. Parce qu'on a raisonné trop en tête ou pas stable. Alléluia. Amen. Et là, on a raisonné. Et bon, groupe, il mène qu'à raisonner en tio. Nous, qui est-ce qui a parti? A donc conflit. Amen. Et là, il partit dans le conflit. C'est qui est-ce qui a fait? Eh bien, reasoning causes people to seek position rather than serving. Le raisonnement pousse les gens à rechercher une position plutôt que de servir. Mais oui, toujours qu'à chercher une position. En même dit que vous partiez dans le raisonnement, tu es même. En même dit que vous allez regarder. Mais qui est-ce qui est plus grand parmi Jésus? Parce que si Christ. Vous ne pouvez même mêler. Christ qui est mort pour sauver yo, yo pas même qu'à garder mais pourquoi ou qu'a dit ou qu'a parti etc. Et yo qu'a livré malheur pour mon qui qu'a fait ça. Où est ça? J'ai d'abord même réfléchi ça et pour l'instant il est là. Il pas même changé malheur à mon qui livré Jésus mais yo dit toute la qu'a garder pour position qui mon qui qu'a plus grand après Christ. Alors qu'a fait ton raisonnement et tout. Amen. Ou qu'a raté message là, ou pas qu'a point message essentiel là, et ou qu'a fait toute bêtise, toute bagaille, tout conflit, et qu'après nous toujours qu'a chercher un coupable, et avec après nous voulons position. Amen. Hey! Est-ce que vous là? Ou pas répondre, donc m'a qu'il quitte. Amen. Ça veut dire que fermez bouche moi, je m'en parle top. Mais c'est vérité. Amen. Les conflits, c'est ça que ça apporte.
Les gens qui commencent à conflit, toujours qu'à ouais on baille pas bon, toujours pas on baille pas droit, toujours pas on baille pas ici, toujours qu'à ouais c'est comme ça il n'est pas bon, toujours qu'à ouais pas bon comme ça, toujours qu'à ouais et toujours qu'à ouais on est en chaise raisonnement, en chaise bagarre. Si c'était moi, mon gars, si c'était moi, mon gars, si c'était moi avec mon ami qui a mené conflit, a toujours qu'à mener en groupe. C'est pas vrai, hein? Mm-hmm. Mais oui! Satan commence à raisonner, t'as lié en d'un même, et dit, ouais, gars, Jésus, gardez pouvoir, et bail l'homme, gars, ça, Jésus qui a fait, Jésus n'y pouvoir, maman, et Jésus m'a tout ça pouvoir, ah, il commence à garder, quoi, ah, moi, quand il calé, il fait, et quand il tourne, moi, en rebondier, n'aille en rebondier, moi, quand il conduit, ouais, ça, mais il peut goûter, elle en fait pièce. Esaïe 14, vous pouvez lire sur la réunion. Donc, voilà. Donc, le top raisonnement pas bon. Ça a fait nous rater essentiel. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. Donc, cinquième là, qu'est-ce qu'il a fait? Le raisonnement pousse les gens à chercher, à rechercher une position plutôt que de servir. Et qui ça, Christ, qui est nous? Jésus dit, mais moi-même, vini, n'a servisant. C'est servi, moi qui servi, moi là qui servi, etc. Bagaille. Zotte, haka gade qui n'est ce qui plie grand. Et zotte, pas quand même, moi Jésus là, depuis je suis servi, qui servi, zotte. Où est-ce que vous avez? Yo qui chasse, puis yo plie grand. Et yo pas quand même, moi, Jésus vini à disposition, yo. Ça veut dire, Jésus pas jamais dit yo pièce, pour yé, ben, moi malade. Mi pour mi moi brisé manger mi moi brisé pain mi moi brisé linge mais tout ça yo ti brisé Jésus ka ba yo pas même moi c'est Jésus ka servi yo mais yo ka gardé yo pas te même moi eh ouais Jésus même l'ami ses disciples Jean dit Jésus Jésus mais comment disciple nous ka gêner disciple pas gêner mais tout temps yo et puis marié yo pas brisé gêner mais les marié a parti. Amen. Là on dit dans en nos ou ka gêner hein? C'est manger pour fêter. N'est-ce pas? Après, nous finissons. Vous voyez ça? Vous voyez jamais? Vous faites des gens qui ont invité pour manger. Et vous arrivez à la fin de la fin. Où ça vous a gêné? Vous êtes malade, vous avez un problème en tête. Vous invitez pour manger, vous dites oui. Ah, moi, je suis content. Et vous arrivez à la fin de la fin. Vous dites oui, je viens de manger là, mais vous savez. Je dis à mon cas, c'est ma assistant manger parce que mon cas gêné. Ou fou! Vous n'avez pas gêné ou? Vous n'avez pas concerné de dépenser les faire pour manger là? Et bien qui en la compte là? Et qui fait bah ou tout espèce pour manger? Et bien c'est ça Jésus-Christ. Jésus est venu pour servir ce monde. Donc ces disciples n'ont pas manqué à rien. Ils ont été bien servis. Mais il y a cherché position. Et bien, les gens qui ont cherché position, il n'y a pas même ça, bon Dieu, qui a couillé pour servir. Ah. Nous, ouais, moi, je dis qu'on s'entend. Plus pas aux gens qui ont goûté pour position, pas même ça, sa position. C'est vrai. C'est pourquoi l'autre a couillé pasteur et qu'après, les chats, les avenir chaud, ils ont obligé de dire ça. Eh bien, oui. Ils veulent être leader, mais les bails la venir chaud, ils dit ah. Vous savez, parce qu'en fait, si vous êtes pasteur, vous savez, c'est les démons qui ont attaqué pasteur, c'est eux qui ont attaqué. Amen. Si vous êtes prophète, c'est les démons qui ont attaqué prophète qui ont attaqué. Et si vous êtes simple, c'est pas qu'on bat dans le gars, mais qu'on déclare c'est ça où il est. Et bien, tout le monde qui a descendu des prophètes, c'est là. Tout le monde qui a déclaré des hommes de Dieu. Ou c'est go homme de Dieu, oui. Mais tout le monde c'est homme de Dieu, oui. Mais ou c'est go pasteur, ou c'est go bagaille. Mais c'est de où il va venir. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on a tenu l'option pour ça? Est-ce qu'on a formé pour ça? Est-ce qu'on a appelé pour ça? C'est ça. Donc, il a cherché. Amen. Il a raisonné. Mais il a raté essentiel là. Amen. Alléluia. Yeah. Alléluia. Et nous allons. Donc, sixième là. Mm-hmm. Il y a. C'est bien ça? Mm-hmm. Là, il y a des bons raisonnements. Oui. Donc, chercher des bons raisonnements. Il n'y a bon. Il pas. Pas chercher mauvais, car raisonner mal. Mais il y a des bons. Sixième. Alléluia.
Où est ça? Mais il y a pas de ma pression au bagaille, il y a un café. Alléluia! Bye, bon Dieu la main, bye, bon Dieu la main. Alléluia! Ça veut dire que vous accompli exactement ça, Nadia. Vous êtes parti attentif. Alléluia! Où est ça? Mission, exactement ça, mon capuché, vous faites exactement ça. Ça veut dire que le message là, vous ou j'ai confirmé, moi, il Alléluia! Amen! Ça, c'est la vérité! Amen! Oh, Jesus! And I'm going to evaluate. Amen! Susie, let's go with me. First point, reasoning is the result of lack of faith. Mm-hmm. Alors, le premier point, le raisonnement est le résultat de manque de foi. Second, try to understand God rather than reasoning. Essayez de comprendre Dieu plutôt que de raisonner. Three, understanding what he says will prevent all reasoning. 3. Comprendre ce qu'il dit empêchera tout raisonnement. 4. Reasoning generates conflicts. 4. Le raisonnement génère ou engendre des conflits. And 5. Reasoning causes people to seek for position rather than serving. Et 5. Le raisonnement pousse les gens à rechercher une position plutôt que de servir. Donc arrêtez de raisonner. Alléluia! Oh, bien-aimé, moi, pas même envie de prêcher encore. Ou bien dis-moi, ça veut dire qu'on comprend le message là. Bon Dieu, permette qu'on comprenne le message là. Ou faire démonstration. Mais bon raisonnement. Amen. Sixième, bon raisonnement. Good reasoning. Bon raisonnement. Marc chapitre 1, verset 23 à 27. Alors, Marc 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Oui. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Oui. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent? Amen. Jésus 27. 27. Amen. Ouh, 28. Mm-hmm. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ajoutez 28. D'accord. Alléluia. Où est ça? Ça, c'est un bon raisonnement. Donc, en Bible anglais, regardez comme ça. Yo, tout te ka, yo, est-ce que tu peux faire avec la consonance? Même l'esprit qui a obéi. King James Langadou, il a commencé à raisonner en Dieu. Il a dit, waouh, nous pas jamais ouais ça. Mais l'année est bon. Ça veut dire que l'année en conflit, l'année en raisonnement qui a permis Christ ni en renommée. Mm-hmm. Amen. Vous comprenez? Il y a un raisonnement qui a permis Christ ni en renommée. C'est ça qui est bon. Donc, c'est si nous qui raisonner. Nous avons raisonnement, nous avons raisonné, etc. Et la fin, ce n'est pas non bon Dieu qui a élevé, pas fait. Vous pardonnez ça. Ok. Nous allons. Septième. Et le dernier point. What can help you to change the way you reason? Qu'est-ce qui peut vous aider à changer votre façon de raisonner? A. You must have a renewed mind. Petit A. Vous devez renouveler l'esprit de votre intelligence. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. Éphésiens 4, 22 à 24. À vous dépouiller, alors, à vous dépouiller eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ça, on est pour faire?
renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'esprit intelligence ou et à revêtir l'homme nouveau, oui, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Aïe, aïe, aïe. Donc, tout ça nous pas renouvelé. L'esprit nous pas ça produit un bon raisonnement. Être un homme, alléluia, nouveau, créé selon Dieu dans un justice et une sainteté que produit la vérité. Ouais, ça veut dire que nous caille toujours qu'à marcher dans ma chance. Nous caille toujours marcher dans conflit si vous pensez nous pas renouveler. Et oui. Donc si nous voulons un bon raisonnement, renouvelle l'esprit nous, manière qu'a-t-il nous, manière raisonnement nous, fait né de l'esprit. Il y a beaucoup de monde qui né vraiment de l'eau. Mais m'a demandé, est-ce que vraiment yo né de l'esprit? Ou pas comprendre, non? Oui. Donc, nous t'es allé, nous prenons bien, mais est-ce que vraiment né l'esprit, nous vraiment changé? Parce que à nous, tous les jours, quand nous tuer, nous brisons bagay toujours, parce que nous pouvons changer l'esprit. Amen. B. Pray. Give thanks and think differently. Petit B, priez, remerciez et pensez différemment. Priez pour Dieu. Parce que la prière qui a aidé ou changé manière ou qui a cachillé. Mais si nous avons un problème et que nous ne pouvons pas prier pour ça, vous savez, plus mauvais bagaille que nous n'avons des caractères, mais nous n'avons des manières. Mais nous avons prié plus pour bon Dieu bénir nous avec nous parce qu'il a nous a demandé bon Dieu changer ces manières nous n'y a. Parce que plus par des gens comprennent quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses sont passées et toutes choses devenues nouvelles, comme si dit c'est quelque chose automatique. Amen, c'est mettez sous D drive et puis il va aller tout seul juste à ciel. Il n'y a fort pour faire donc. Donc la vie chrétienne c'est pas une voiture automatique qu'on met sous drive avec il va aller au nick chebe volant. Amen, c'est pour ça moi même Emmanuel là pour moi même passer bâton. Cette lycée nous a passé. Oui, cette lycée c'est avec la main droite là. Non, gauche. Ici c'est droite. Et voilà, il est important. Donc, bien aimé, il faut. Oui, monsieur Dieu. Lis Philippiens. Tends ça. Le dernier texte. Dernier texte, Philippiens 4, versets 6 à 8. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ouais, mais il ne faut pas inquiéter. Hein? Donc, si vous ne pas inquiéter, vous pouvez pour raisonner. Là, nous avons raisonné, ça veut dire que nous avons inquiéter. C'est pas vrai? Ouh. Oui ou non? Oui ou non? Ouh. Et prenez, il dit nous, ne vous inquiétez. Rien. Ça veut dire que pas réfléchir bêtises. Pas inquiéter au débat pour raisonner en tête. Arrête, même si ou ka wè bay la pa kale, di jab ou pa a fè mon raisonnement, pa a fè mon fè de vrai raisonnement tête men inutile. Ouais, ça Satan toujours voulait nous faire des vrai raisonnement, gade. Ou pa wè ça, ou pa wè ça, ou pa wè ça, ou pa wè ça, ou pa wè ça. Ah bon? Ah bon? Et ben mais mon ka mete ou mais mon ka ouvert yo comment? Mais pas ça il dit Adam. Mais si ou ka ouvert, jou a ou manger fruit ou ka.
Ou comme, et bien souvent, quand les gens nous mettent au courant de certaines choses, en vérité, ce n'est pas pour ouvrir nos yeux, mais pour nous détruire. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Ouh! Combien de fois il a porté, il a venu, il a ouais, ou quand il a commencé à vivre comme ça. Il a pris la scène, il a mangé, il a fait bagaille, il a réjoui, il a loué. Et on seul petit moment, il dit on seul petit épreuve, ou pas la scène, ou pas voulu manger, ou pas ni communion avec frère. Dis-moi pas poubelle, moi pas poubelle, moi pas poubelle, moi pas poubelle. Moi pas poubelle, moi pas poubelle. Ça veut dire que il décharge quoi et qu'il bat oui. Oh Lord. Donc j'étais tout raisonnement. Pas inquiété, je dis. Amen. Et qu'après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, des prières et des supplications. Non, non, retournez verset 6. Ah. Mais en toutes choses. Voilà, c'est ça. Hein? Hein? Toutes choses. Ça veut dire que pas attends, mais tout. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Faites connaître vos besoins à Dieu. À qui? À... Ouais, toujours, il faut amener nous à Dieu. Mais pourquoi nous aimons voir l'homme comme ça? Il pas d'où mener qu'à tout bas l'homme, mais d'où mener à Dieu. Dis ma soeur, arrête, arrête. Arrête, arrête. Dis ma soeur, c'est Dieu, c'est Dieu. Allez, allez. Ok, c'est bon. C'est bien. Allez, allez. Conseille-nous encore. Par des prières. Par des, quoi? Par des prières. Prières, yon. Et des supplications. Supplications, c'est long. Alors? Avec des actions de grâce. Ah, ah, pas oublier l'action de grâce là, non? Mais souvent, nous demandons, Seigneur, ban moi, Seigneur, ban moi, Seigneur, give me, Seigneur, donne, Seigneur, je veux, Seigneur. Tout le monde est pour je veux. Hein? Mais nous avons oublié de dire, Seigneur, merci, merci. Ou, ça, plus gros prière, c'est là ce que tu dis, Seigneur, merci pour les voitures que tu vas me donner. Seigneur, merci pour les repas. Seigneur, merci. Ou pas même obligé de dire, ban moi. Ou pas, j'aime, ouais. On dit, moun, là, vous voulez un bagaille? Maman, merci pour les chocolats que tu m'as. Maman, pas d'eau pour chocolat. Hein? Maman, mais je veux. Maman, merci, maman. Maman, je veux. Maman, pas d'eau, kaba, oui. Tu m'as dit, oui, merci au débat. Là, comment est-ce que tu as merci pour le bali? Ou bali bali? Mais tu as dit, merci. Maman chérie, maman doudou, tu es le plus. Moi, dit, moun, tu es. Tu es le plus. Tu es le papa plus génial dans le monde. Capable de calter parole là, c'est comme maman, maman. Ah ouais. Papa, tu sais que je dis à l'école, tu es le chef. Arrête, tu cuisines bien. Maman, je suis pas dit. Moi, je dis à l'école, mais oui, je dis ça. Moi, dis, et puis, moi, mais oui, mais papa, tu es le chef. Tu es le, tu cuisines bien. Ou pas balayon. Il y a capable de toute belle langue doux. Il y a capable de son chef, tout bas, il a parlé. Dieu, maman, il a juste dit comme ça. Eh bien, il a envie de manger, manger. Papa, il a fait. Ou pas, il va manger. On va aller pour finir. Septième. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il a fait qui ça? Garder. Où est ça? Là, nous avons prié. C'est là, ça a gardé vos cœurs. Cœurs et. Donc, il a empêché ou réfléchir mal. Mal. Et après, huitième, là, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là, bon Dieu, qui a permis de réfléchir des bonnes bagailles. Au reste, frère, oui. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, oui. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ouais ça, mais si vous pas pour premier ou quarante deuxième là. Si vous pas renouveler l'espoir avant, jamais ça pas fait. Ou quand plus monde arrêter réfléchir bêtise bon dans monde ou perdre ou là. Et quand juste comprendre que au desservir, dès là ou quand perdre tellement pas me savent côté où y est. Hey, ou quand sortir ou sortir mais qui ça qui va? Ah bon, j'étais en train de réfléchir quelque chose. Pas sortant dans rêve là, ou perdant dans rêve. Ou comment, ou quoi fou quoi? Pas faire manière pour venir à Zaymer trop vite. Parce que lorsqu'on réfléchit trop bêtises, ni til baga, ou à perdre bien aimé, on l'a fini ça. On joue à l'évêque ou pas à savoir.
Donc il faut arrêter, réfléchir ça qui est bon, réfléchir tout bon bagay ça bon Dieu a fait assez bay ban nous. Amen, alléluia. Et si c'est pour dire, dès lors qu'on commence à parler avec des gens, ça bon Dieu fait bah, ça bon Dieu fait bah, ça passe. Donc au lieu de réfléchir bêtises, magie, toutes ces bêtises qui pas fait sens, c'est en laissant ça nous qu'à réfléchir et qu'à mettre nous dans l'état spirituellement. Arrêtez ça. Amen. Arrêtez les raisonnements. Et c'est comme ça nous qu'il a raisonné correctement. Nous qu'à arrêter là. Alléluia. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Maman, laisse que nous qu'à raisonner en nous-mêmes, ça qu'à mettre nous dans un mauvais état et qu'à empêcher nous avancer. Donc, il faut arrêter. Amen, alléluia. Amen. Mettez debout pour la prière. Oui. Oh, merci Seigneur. Amen. Donc même si nous avons un problème, réfléchis bah il bon en la vie. Réfléchis qu'il change. Réfléchis qu'il bon. Réfléchis mariement qu'il change, il est bon, ils sont bon Monique. Arrêtez de réfléchir toute bêtise qui pas bon. Satan qui a mouché nous tellement bagay. Et que le bail a passé, Satan qui a mouché rien qui mauvais bail concerné mon et qui a avec l'eau de tout bon côté à la pièce. Pardon l'autre monde qui a dit, eh, tu sais, ah ouais, on y a bon nègre, on y a bon mari, on y a bon arrêt nègre, ah ma ou son belle black, ou ka way led. Allez, parce que ok, fais-moi commencer. Moi fais manière pour moi pas chaud bon matin hein? Mais moi qui sens tout qu'il chauffe moi et il pas qu'il bon pour nous, il pas qu'il bon pour nous. À nous prier Seigneur, nous oui merci pour quoi sous tu es main ensemble comme nous rapidement. Merci Seigneur mon Dieu pour parole ou paix. Papa nous vraiment béni ou paix pour quoi sous pour l'amour pour fidélité. Merci Seigneur pour chacun de nous, chacun frère, chacun sœur. Que nous tchèbe la main ensemble, Père. Papa, aidez-nous pour nous ni yon l'idée, on pense. Papa, pour nous pas qu'à raisonner des choses vaines. Trop raisonnement en tête nous et qui a poussé nous, Papa, à la chute, qui a poussé nous à conflit, qui a poussé nous, Papa, bon Dieu. Et de l'aide, même si nous pas en conflit en monde, mais nous pas en conflit en nous-mêmes. Et souvent de les papa nous ka posé nous prier mais est-ce que bon Dieu répond moi nous pas même savent là répondre nous et là ban nous en réponse nous pas quand même accepter nous ka dit est-ce que c'est vraiment Dieu qui répond moi papa nous en conflit nous même nous pas même connaître voix nous demandons pardon pardonnez nous chacun aidez nous à renouveler l'esprit nous renouvelle intelligence nous afin que papa nous c'est un seul peuple. On peuple qui a un bon raisonnement avec côté non Jésus-Christ qui a été élevé. Moun qui tend nous parler, moun qui tend nous raisonner, Seigneur, qui a élevé non Jésus-Christ, yo qui savent, Jésus t'est passé côté nous. Papa, bénis-nous, changez l'esprit, nous, pensez-nous, intelligence nous, renouvelez intelligence nous, Père, afin que nous soyons un homme qui s'a raisonné correctement. Bien et pour la gloire de Dieu et pour moi avancer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Merci Seigneur.